Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode aujourd'hui consacré à Until Dawn. Alors pour vous rafraîchir vite fait la mémoire, la dernière fois on s'est quitté avec Monty Matt et la petite M qui étaient ensemble perdus. Ils étaient partis au téléphérique et pas de bol, pas de clé. Ils sont partis dans la montagne chercher une radio éventuellement. Je sens que ça va mal tourner. Coucou. Ah, ça commence bien les viewers. Je l'avais pas vu quand j'avais terminé l'épisode la dernière fois. Mais il y a un totem. Au bonheur. Allez. 1, 2 et 3. Oula. Un conseil. Prendre le... le fusil éclairant, le fusil de secours, le fusil qui fait de... le... comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais plus. Fusée éclairante. Et si ça marchait pas? Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais... pistolet de secours. Bon, si allez, on va aller voir. Il faut un plan. Peut-être qu'on peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. Alors, on me conseille gentiment de prendre le machin. Ouais, et bah ça change rien. On y voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir? Non. Mais ce serait bien quand même. On doit peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Il n'y aura pas à se cacher dans le chalet. C'est là que ça t'en est trouvé. Oh, un petit ponton en bois au bord d'une falaise. Au-dessus d'une falaise. J'ai hachement confiance. Elvers, je me rappelle plus comment on fait pour marcher vite. J'ai beau essayer avec L2 ou R2. Je crois que c'est L2, hein, mais ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et quoi, il est bête? Je préfère aller voir là-bas. J'ai le droit, je veux, je peux. Ok, ah. Bon d'accord, ok, je reviens vers toi. J'arrive. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu des bruits, j'ai pas eu envie d'y aller. Ah non, il y a un autre totem. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Faut qu'ils arrêtent avec les totems aussi. Qu'est-ce que ça court? Un totem de conseil. Totem de chance. Eh ben, si ça peut me porter chance. En tout cas, porter chance à ceux que j'ai vus. Eh bien, tant mieux. Attends une seconde. Franchement, ça me dit quelque chose maintenant que j'y pense. Je sais pas si ça vous rappelle. Vous avez. Le petit cabanon là. On a vu il y a une seconde. Et c'est pas l'endroit où... où Anna avait perdu son téléphone. Ou Bess, je sais plus. Ah. Et voilà, qu'est-ce que je disais. Ah, il est cassé. Et gelé. C'était celui de Bess. C'est le portable de Bess. Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. On peut peut-être continuer sur le chemin, voir où elles sont. Ah, je peux plus avancer. Je suis bloqué. Elles sont arrivées d'où alors, comme ça, les cocottes? Ouais, bon.
On n'est pas vraiment libre après tout. Hein, faut suivre le scénario, sinon ça le fait pas. Ah, je te jure. Bon, le totem, ça c'est déjà vu. Hop, je suis dans l'arbre. Tout va bien. Bonjour, monsieur l'arbre. Ah, punaise. Le pire, c'est que j'atterris dedans. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'avoue, pour se diriger parfois avec la caméra fixe, c'est un peu chaud. Vous avez vu, deux fois de suite, je me suis retrouvé dans l'arbre. Ah, bah tiens, ça me dit quelque chose. Ça aussi. Regarde bien où tu marches, Emily. Oui, bah, attention, si danger. J'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. Oui, bah on se casse, allez. Merde, c'est quoi ça? J'ai pas confiance que viewer. Je sais pas ce. Qu'est-ce que. C'est quoi ce délire? Les viewers, ça sent mauvais. Et en plus, ça sent mauvais. Je sais que je sois punaise. Oh, qu'est-ce qui va se passer encore? Ah bah tiens. Ma petite Sam qui prend un bain tranquille. Oh la vache. Sam, hey. Hey Sam, derrière toi. Il y a un psychopathe juste derrière. Tu devrais pas écouter la musique aussi fort, ma grande. Qu'est-ce que vous faites encore ? Une mauvaise blague ? Une très mauvaise blague. Ok. Reste dans ton bain bien au chaud, tu t'en fous. Après tout, hein ? Ah mais la baignoire est super grande, les viewers, vous avez vu ça, la classe quoi. On pourrait mettre quoi, 5-6 personnes, facile. Bon alors. Non, tu veux pas y retourner? Je suis obligé de rester en serviette. Eh, j'ai mon portable là, au bord, non, je peux pas le prendre non plus. C'est génial, ah. Allez quoi, mes fringues, vraiment. Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël. Ah non, oui, sérieux, ils m'ont laissé qu'une chaussette, les salauds. Super, donc en gros, je suis obligé de rester avec ma petite serviette de... Ma petite serviette. Génial. Chris? Josh? Ouh! Monsieur le psychopathe! C'est quoi ça? Je suis en serviette! Il y a des bougies de partout. C'est très romantique, monsieur le psychopathe, mais un peu inquiétant quand même. Quand même. Bon, j'avoue, j'avais déjà visité ce coin, mais sait-on jamais. Il n'y a pas une paire de ciseaux qui traîne? Un couteau? Ah. Eh ben, c'est fermé. C'était ouvert tout à l'heure. Ah, il a bien monté son coup, le mec. Il met des petites flèches sur les ballons. Viens, la surprise, c'est par là. Youpi. Oh là là. Je sais ce qui m'attend et... C'est pas cool, les viewers. C'est pas cool. En plus, je l'aime bien, ma petite Sam, quoi. Oh. J'ai pas eu peur, hein. J'ai pas eu peur. Allez, on y va. Tranquille, tout va bien. Suivre les ballons, bah, je vais pas le faire. Mike, Emily, je ne suis pas. Vraiment à devenir nul, là, d'accord ? Les ballons. C'était très drôle, ha, 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 de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça. Trophée de cinéma. Ok. C'est ok. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup visité la maison. Est-ce que je peux en profiter pour bidouiller un peu à droite à gauche ? J'aimerais aller par là. Ouais, là, merci. C'est moi où il y a de la lumière, les viewers. On y voit clair quand même. Passer le reste du week-end en serviette. Eh ben, ce sera la serviette.
Ah oui, t'es très bien en serviette. Pour le moment. Ça fera l'affaire. Bon. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il n'y a plus qu'à. Que du bonheur. Il y a un ballon qui s'est décroché. Tiens donc. Je n'avais pas vu cette photo. Prêt pour le bal de la promo. Anna, Sam, Mike et Emily. Le bal de la promo. Et je suis aussi sur la photo. Ok, d'accord. Est-ce qu'il se serait pas passé quelque chose au bal de la promo et quelqu'un veuille se venger? Non? Bon, on sait jamais, je demande. Hein. Oh, oh. Peux m'expliquer pourquoi l'écran de la télé s'allume tout seul? Merci. moyen. Oh là là, c'était quoi ça? Non mais c'est bon, la télé j'y touche plus hein. Ça va aller pour aujourd'hui. Docteur, vous me moquez. C'est vrai que quand il est pas là le doc, je m'ennuie hein. Zut hein. Mais c'est quand même plutôt sympa, hein. J'avoue que j'avais pas fait le tour. Un nouveau message. Nouveau message. Bonjour, Madame Washington. C'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Hein? Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Quoi? Vous avez... La police a libéré un psychopathe? Bah tout va bien! Tout va bien! Bon. Alors il avait été apparemment interrogé et ils l'ont libéré et tout va bien. Et je suis trop heureuse. Et ben je vais suivre les flèches maintenant. Hein. Allez les viewers, c'est parti. Allez. Ok, si vous essayez de me faire flipper, et ben... réussi. Ouais. Je descends au sous-sol, tout va bien. Tout va bien. N'y va pas comme ça, il a prend la lampe sur la table de... Voilà. Ouais, ouais, là, oui. Enfin, quelqu'un de malin. Oh. Profitons pour prendre la clé dans le tiroir. J'ai pas eu peur. Hey, merde quoi, c'est fini, d'accord? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons. J'ai pas peur. Salut Samantha. Salut Cindy. Est-ce que tu aimes... Tu me cherchais. Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Quoi ça? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ouvre les yeux. Oh, vache. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Un joli petit oiseau. Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature? Pourquoi vous me montrez tout ça? Pourquoi regardes-tu? Par curiosité. Myla. Quel effet cela t'a fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vais te donner 10 secondes. 9. Non, quoi? 10 secondes pourquoi?
7. Non mais bouge. Sam. Courir. Jeter le vase. Et elle court de toute façon. Merde. Ouais. Super, je suis enfermé dans une pièce. Sauter. Allez. Non mais vas-y, taille la route ma grande. Sauter ou se cacher, je te jure. Ah non, pas de la cave. Oh non, pas la cave. Je crois pas que ce soit le meilleur endroit, ma cocotte. La batte de baseball. Se cacher. La batte de baseball. Éteins la lampe. Sam, pourquoi te caches-tu? Sam, pourquoi prolonger l'inévitable? Pas bouger. Rester. Pourquoi te persuader que tu vas réussir à t'en tirer? Tu sais que je peux te sentir, Sam. Je peux sentir ta peur. Ah ouais? Tu peux sentir. Je te tiens. Ah ouais? Oh non, non! La batte de baseball, oui, c'est ça! Prends-la, oui! Oui! Oh, cocotte, t'es une guerrière! C'est quoi ce bordel? Y a pas de poignée? Non. Renverser pour empêcher de passer. Ah, la poignée. Allez, ramasse cette putain de poignée, dépêche! Verrouille. Oh oui. Vite. Casse-toi. Allez, je bouge, je m'en vais, je taille la route. Y'a quoi? Oh, c'est fermé. Allez. Oh, où est-ce que je suis encore? Qu'est-ce que c'est que ce truc glauque? Je suis où là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Comment j'ai pu atterrir dans un truc aussi glauque? Merde. Yes. Steve Duper. Oui. Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu, j'ai l'impression. Je me trompe? Non, ça s'est super bien passé, docteur. Il est parti avec autant de soin pour se voir contrecarré par ses propres insuffisances au moment décisif. Je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Oui, docteur. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui, je suppose. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous en servez à tort. Votre peur dévorante de la solitude, vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine? Mais je sais pas, docteur. Mais en tout cas, j'aime bien votre déco rouge sang, c'est sympatoche. Moi, j'aime bien. Oh! Précédemment. Attends, une tilt down. C'était quoi ça? Mais
plaît. Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Un cinglé. C'est un truc de dingue. Ah, y a un putain de cinglé, oui. Et même le doc, il est en danger. Attendez, là. Le doc. Salut, Samantha. Tu veux me chercher? Non, on non, non. On devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Oui, elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va. Mais regarde, une tour de guet. Ah oui. Merde, c'est quoi ça? Ah oui, ils sont... J'en sais rien. Ils sont en bonne compagnie avec l'esprit de la forêt. Youpi. Le gentil esprit de la forêt. Là, c'est l'angoisse, les viewers. C'est un peu l'angoisse. Calmez, calme-toi, Emily. On se calme tranquille. C'est la serre. Je veux juste le sentir, c'est non, tout. Non, 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 Matt. Non, non, doucement. Pardon, messieurs les serres. Pardon, merci. Oh, vous nous laissez passer, c'est gentil. C'est très gentil, merci. On ne veut que passer, on ne veut pas de mal. Oh là là. Merci, gentil esprit de la forêt. Merci beaucoup de nous laisser nous enfuir. Non, 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 on ne fait rien aux gentils animaux de la forêt. Doucement, tout va bien. D'accord. Voilà, tout va bien. On ne fait pas de bêtises. Voilà, c'est quand même mieux qu'un ours ou un loup. Un loup sauvage, c'est beaucoup mieux. Ouh. On s'en est sorti et ah, je suis dans la peau de M ce coup-ci. Allez là. Coucou. Vous avez vu, je suis gentil avec les animaux de la forêt, hein. Ouais, si on arrive à avoir quelqu'un à la radio, il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Pourquoi elle fait demi-tour là? Pardon mon petit Matt. Laisse passer la grande Emily. Eh ben voilà, on est arrivé, tout va bien. Et apparemment, il y a de la lumière, donc il y a de l'électricité, donc c'est l'angoisse. Je vois plus rien. Non, Sandek. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Oui, donc rien de grave, avec... Ah, un totem à terre. Bon, alors, voyons voir ce qu'il y a. J'aime pas les totems. Allez, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que... Totem du conseil, mais qu'est-ce qu'il faisait, Chris, avec un flingue? C'est quoi, cette blague? Il faut arrêter les bêtises, là. Comment on peut en arriver à se pointer un flingue sur le visage? Ouais, je suis pas sûr de trouver une radio dans ce truc. Oh là. Il y a rien ici. Faut grimper, c'est ça? Pourquoi il y a une trappe en plein milieu là? Une corde là, c'est quoi? Eh ben c'est rien. Bon, on peut grimper? Oui, on peut apparemment. Allez, bah on y va. Ouais, bah c'est pas ici que je vais me mettre à l'abri non plus. Il y a pas un oh là. Ah oui, d'accord. Il a posé la hache pour grimper.
Il a posé la hache pour grimper, mon petit Matt. Ouais, presque. Mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'au moins à l'intérieur, on sera à l'abri du vent? Au moins. Et à l'abri de... tout le reste. C'est pas génial, mais bon. On a un toit et des fenêtres. Et en plus, c'est facile à barricader. Ben, les viewers, je suis à l'abri, je suis en sécurité et jusqu'au prochain épisode, j'espère que tout ira bien. Non, sans blague. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me lâcher un petit like ou même à me laisser des commentaires si vous avez quelque chose d'important à me dire. En attendant, je vous fais à tous de gros pouces. Je vous dis au revoir. Bon jeu à tous.